Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le déballage du petit drone de chez Valkera, le QRW100S. Donc là vous avez la boîte, toutes les spécificités. Voilà, il fonctionne en Wi-Fi, faut le savoir. On en reparlera et je vous le montrerai. Il peut fonctionner sous Android. Avec également sous iOS de chez Apple. Et donc, différents contenus, différentes boîtes. Hein. Certaines boîtes ont uniquement le drone. D'autres, comme celle-ci, donc le drone est Wi-Fi, il est muni d'une caméra. D'autres ont également la radiocommande, la DevoCat, qui est d'origine. Dans tous les cas, il peut être piloté, comme on l'a dit, par la radiocommande ou par le smartphone ou une tablette. Donc ensuite le déballage. Qu'est-ce que l'on trouve lorsqu'on le sort de la boîte? Très 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 simple. Voilà ce que l'on a. Une notice en anglais avec le CD. À savoir que chez Aérovisuel, vous aurez la notice en français. Chose qui a quand même son importance. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on trouve? Donc dans l'emballage, on voit la radiocommande, le mini drone équipé de sa caméra à l'avant, la queue, le fil pour brancher au petit chargeur qui se trouve ici afin de recharger votre queue. Voilà, donc je vais retirer l'emballage et on va détailler tout ça. On se retrouve dans quelques secondes. L'emballage a été retiré. Donc, qu'est-ce que l'on a? Je découvre en même temps que vous. Hein. On a la petite prise de bindage avec un petit tournevis. On trouve donc le câble sortie USB sorti pour aller dans le chargeur. Chargeur pour cet accu, chargeur que l'on retrouve ici. Donc là, on a le petit chargeur. L'alimentation et ensuite l'accu d'origine 600 mAh, hein, tout petit accu, donc qui lui vient se brancher, comme je vous ai dit, je découvre en même temps. En fait, on doit pouvoir en brancher deux sur ce chargeur. Hein. Donc, particularité, c'est que ça se charge par la prise, par celle-ci, par la prise d'équilibrage. Ne se charge pas par la prise d'alimentation. Voilà, donc on va remettre ça en place. Ensuite, on a la radio. Mon radio simple, un radio de base, la Devo 4. Celle-ci est en mode 1. Il faut savoir qu'il existe d'origine en mode 1 ou en mode 2. Il existe également un modèle, bon, qui n'est pas la boutique Aérovisuelle, mais il existe un modèle qui, lui, est vendu sans la radiocommande. Et ensuite, on a donc le logement pour les piles. Qui est ici. Voilà, donc il faut 4 piles LR6. 4 piles LR6 dans son logement. Ensuite, la prise se branche à l'intérieur. Là-dessus, pas de souci. Voilà. Et puis ensuite, donc on trouve le drone lui-même. Donc que je découvre encore une fois, je vous le dis en même temps que vous. Donc petit drone au look très sympa. On va retirer ça pour mieux le voir. Voilà, look très sympa. Avec sa caméra. Alors la caméra qui est vraiment petite. Hein. Très petite caméra. Là on a l'antenne de transmission. Voilà, donc joli petit drone. Et ensuite, la queue se met. Alors, comme je vous ai dit, je le découvre en même temps ici. Voilà, ça se soulève et on met la queue dans son emplacement. De toute façon, on vous fera un petit peu plus tard la démonstration en vol. À savoir, particularité de ce drone, si vous cassez un moteur, les moteurs se retirent. En se déclipsant, ça se retire à ce niveau-là, ça se change d'un bloc. Hein.
Donc celui-ci, c'est le W100S. Le S a son importance parce que il y avait un W100 d'origine qui n'avait pas le même système et avec des moteurs un petit peu moins puissants. Donc normalement, celui-ci est beaucoup plus sympa. Voilà, donc on va mettre tout ça en fonctionnement et puis on se retrouvera pour une petite vidéo d'essai dès que tout ça sera prêt. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt.